rejoint Yves Poirier qui a assisté à cette présentation ce matin à la ville de Longueuil. Yves, concernant l'abattage des cerfs, sincèrement, c'est peut-être moi qui est naïf ou qui n'a pas bien suivi le dossier. Moi, je pensais qu'on allait annoncer un abattage imminent, là, histoire de quelques jours. Mais là, c'est l'automne prochain, il me semble. Les opposants ont le temps de se former un parti politique, d'aller à la Cour suprême. On n'y arrivera jamais. Oui. Non, mais écoute, c'est une longue saga. Je pense que j'ai rarement vu un dossier qui traîne en longueur comme celui-là. Ça a commencé en 2020. Trois ans plus tard, la mairesse nous dit que l'abattage va avoir lieu à l'automne 2024. Mario, je veux qu'on voit d'abord quelques images en direct parce qu'on est dans le hall de l'hôtel de ville de Longueuil. Quelques citoyennes et citoyens autour de moi qui arborent quelques-unes de ces pancartes en disant justement que ces serres du parc régional Michel Chartrand méritent d'être protégés et qu'ils s'opposent catégoriquement, justement, à l'abattage. Je le dis, automne 2024, c'est la date annoncée tantôt, et ce sera une chasse contrôlée à l'arbalète. Ce qu'on nous dit, Mario, au moment où on se parle dans le parc régional, c'est qu'il y aurait à peu près 117 bêtes, là, selon le dernier dénombrement. Probablement qu'il y en a plus. Ce sera à voir. Et là, on veut en garder uniquement entre 10 et 15 de ces cerfs de Virginie au sein du parc. Alors oui, il y aura effectivement, et là je reprends les mots de certains manifestants, un massacre. Et Summit Goldwater l'a dit, ce sont les mots de Mme Goldwater, notamment Mario, elle parle de massacre. Mais la mairesse, en argument, dit, écoutez, c'est l'écosystème du parc régional Michel Chartrand qui en dépend. Par ailleurs, ce qu'on a appris, Mario, c'est un sujet extrêmement délicat. Et là, on apprenait tantôt de la part de la police de Longueuil qui était présente, bien que la mairesse a eu des menaces récemment en lien avec ce dossier, tout comme son vice-président du comité exécutif. Et là, les gens me disent, Mario, je les entends me dire, nous ne sommes pas derrière ces menaces. La police dit que c'est en lien, cependant, avec le dossier sensible des chevreuils. On va écouter justement une réaction de la mairesse. C'est jamais agréable d'apprendre ce genre de nouvelles-là. Faut jamais banaliser, puis c'est pour ça que c'est important de prendre les menaces au sérieux. Puis je sais que le service de police le fait avec tout justement le sérieux que ça commande. Ce n'est pas de gaieté de cœur que la ville planifie cette opération. On comprend que c'est un enjeu qui est sensible, qui est délicat, puis j'en ai eu l'occasion, Jonathan et moi, de rencontrer plusieurs groupes, quelques citoyennes et citoyens qui se posent des questions qui sont légitimes. On a toujours eu un dialogue ouvert avec la population. Alors voilà, Mario, venez d'entendre la mairesse à ce sujet. Elle dit qu'elle ne fait pas de gaieté de cœur cette opération. Je vais juste montrer une image en terminant. Jean Lapierre, si vous me le permettez, on est en direct. Je ne serai pas d'entrevue, mais on va passer l'extrait à midi. Jean Lapierre, Mario, vous le reconnaissez, l'ancien président du syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal. Un deuxième bronze. Pourquoi? Moi, je fais un deuxième bronze de lui à Longueuil pour le sauvetage des cerfs. Wouhou! Monsieur Lapierre, je peux vous répéter ce que Mario a dit. Il y a déjà eu un bronze là, pour avoir défoncé l'hôtel de ville. Vous avez déjà eu un bronze pour les serres, à l'hôtel. Vous avez déjà eu un bronze devant justement le quartier général du syndicat des cols bleus. Puis là, Mario dit peut-être un peu à la blague, est-ce qu'on va faire un bronze pour sauver les serres? En 15 secondes, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, ce qui est important, c'est que la vérité sorte. Ça va coûter $1 million. Les contrats ont été donnés, on les a tous eus par la loi d'accès à l'information. Là, ils vont en appel d'offres pour faire, comme ils ont fait pendant 2 ans, ne pas sortir les chefs avant, pour que la population soit prise au dépourvu à dernière minute. En tout cas, vous allez être là, vous, dans un an? On va être là tout le temps, tant que ça ne sera pas réglé. Je suis payeur de taxes depuis 35 ans à Saint-Hubert. Ce n'est pas vrai qu'après des augmentations de 5,8 puis des salaires de 212 000 pour le vice-président de l'exécutif, qui gagne plus cher que le président de l'exécutif de Montréal, que le maire de Laval puis que le maire de Québec, là, on est amené de payer pour rien. Là. Merci, M. Lapierre. Merci. Bon, alors, voilà, Mario, question d'argent. On aura tout entendu. C'est une question d'argent. Mario, on s'en parle à l'automne 2024. Je vais être en direct du parc régional. On fera une converse ensemble à ce moment-là. Merci, Yves. Au revoir.